Comme plusieurs avant elle, Mme Jeanne Dion se fait raser la tête sans hésitation dans le cadre de la campagne de financement de Leucan. Elle est une habituée après tout, c'est la cinquième fois qu'elle le fait. C'est pour les enfants qui sont malades. Leucan, ça me tient à cœur. Environ 150 personnes ont pris place sur la chaise de la coiffeuse et ont relevé le défi tête rasée au carrefour de l'Estrie dimanche. Ils ont parfois amassé 500, 1000, voire 2000 $ pour la cause. J'ai un collègue de travail, Danny, son fils William. Il a combattu deux fois le cancer. Il s'en est sorti. Je suis belle! Ça me touche, puis je me dis, ces gens-là vont perdre leurs cheveux. Mais moi, je les appuie. L'argent ramassé va pour l'aide et le soutien financier aux familles des jeunes enfants qui sont malades. Les aider avec les dépenses d'essence, d'hôtel, de déplacement, pour des fois un peu de salaire parce qu'il faut qu'ils prennent congé souvent du travail. Le camp a donné un coup de main, par exemple, à la petite Delphine et sa famille, lorsque celle-ci était atteinte de leucémie alors qu'elle avait 2 ans. Le camp est présent tout le temps. À l'hôpital, ils sont très présents au niveau de la salle de jeu. La salle de jeu est équipée pour les enfants. Il y a des tables de collation pour que le temps passe plus vite parce qu'on est là souvent. Il y a aussi un service d'art-thérapie pour les enfants à l'hôpital et aussi un service de massothérapie pour les enfants et les parents. C'est sûr que l'argent, c'est super important parce que c'est ce qui fait que les enfants aujourd'hui s'en sortent. Il y a 30 ans, un enfant comme Delphine se fait décéder. Mais avec les sous, c'est sûr qu'il y a de l'aide à la famille, mais il y a aussi beaucoup de recherche et c'est ce qui fait que ces enfants-là vivent maintenant. Fait que c'est important des événements comme celui-là. C'est pas grand-chose comparativement aux enfants qui ont eu à subir des traitements de chimio. Mon apparence n'a jamais eu beaucoup, beaucoup d'importance. Alors, je pense que je me sens très près des enfants que j'ai vus affronter le cancer sous différentes formes. Ça a bien du bon sens! Ça a bien du bon sens!